depuis quelques jours, elle, hôpital et quelque peu chamboule dans demain nous appartient. En effet, Anne-Marie a été victime d'une tentative de meurtre au sein de elle, établissement de santé. Alors que Cédric Diallo a été accusé à tort par les forces de l'ordre, ces derniers ont un nouveau suspect en tête. Dans les prochains épisodes, diffusés dans le courant du mois d'août 2022 sur elle, antenne de TF1, Benjamin Sordet, une journée terriblement fatigante. Il est accompagné par Emma. Elle lui révèle les retombes de cette fête organisée à la Payotte. Elle, amie de Camille, lui raconte que cette soirée était super. Cependant, elle regrette que le professionnel de santé ne soit pas venu. Benjamin avoue que ses festivités ne sont plus de son âge. Mais cette discussion autour du dress code est interrompue par elle, arrivée des fonctionnaires de police. Georges et Nortine demandent au docteur Ventura de le suivre au commissariat. Il est accusé d'avoir agressé Samuel, Anne-Marie et Victoire. Le médecin ne comprend pas les reproches des enquêteurs. En réaction, il provoque Georges en lui affirmant qu'il lui en veut pour être sorti avec Victoire pendant un temps. Emma, quant à elle, est stupéfaite de l'arrestation de son ange gardien pendant sa grossesse. Pendant ce temps, Gaspard et Juliette sont de retour à 7. Durant un de leurs premiers diners, Tristan refuse que la mère d'Océane fasse la vaisselle, sachant qu'elle a préparé le repas. Elle monte donc dans sa chambre pour lire un livre. Elle, ancien responsable du Spoon, en profite pour parler à elle, adolescent. Il demande à son neveu de lui dire ce qui ne va pas. Tristan S. aperçoit que Gaspard a un comportement étrange depuis son retour à 7. Le demi-frère de Solène révèle la vraie raison de son passage dans la ville. Ce dernier aimerait se rendre en prison pour voir son père pour lui dire ce qu'il a sur le ses droits d'auteur à. Tristan est en plein dilemme, car il ne sait pas si il lui donnera autorisation pour y accéder. Il ne dit de demain nous appartient à réunir 2,45 millions de téléspectateurs entre 19h14 et 19h49 ce mardi 2 août 2022. Le feuilleton quotidien rassemble 19,1 millions de parts de marche auprès de ensemble du public. TF1 accuse un retrait de 0,8 points en une semaine. La suite des aventures des habitants de 7 est à retrouver dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, diffuse du lundi au vendredi, aux alentours de 19h15, sur TF1.